Et à la veille de la table ronde à paris gaston Floss crée la surprise le président du Attira a fait un pas vers les opposants historiques au nucléaire il marchera aux côtés de Moruroa et Tatou et l'église protestante maori vendredi une marche en souvenir du premier tir nucléaire et gaston Floss, que nous accueillons sur notre plateau président Yorana. Bonsoir. Alors, euh, faire cette annonce maintenant, Gaston Floss, à la veille de la table ronde à Paris, n'est pas anodin. Pourquoi ce revirement de position Il euh, n'y a pas de revirement de, de position. Euh, nous voulons inter, euh, interpeller le président de la République et lui dire écoutez, euh, 25 ans après la fin des expérimentations nucléaires, et il y a encore des malades qui attendent à être indemnisés, je pense qu'il ne faut pas abuser de la patience des Polynésiens. Quand vous ça vous parlez suffit. De vous, vous, vous si le suffit. Ça suffit. Et ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous disons. Pourquoi la France ne reconnaît pas les conséquences génétiques de ces expériences nucléaires Ça, ce sont les raisons et nous accompagnons et soutenons la démarche de l'Église protestante. C'est la proposition maorique. de loi qui a été présentée par Moïté Brouderson à l'Assemblée nationale sur les problèmes transgéniques occasionnés par les essais nucléaires. Oui, mais ça n'a pas été... Euh, la France n'approuve pas, pas cette démarche-là. Deuxièmement, nous interpellons le président de la Polynésie française, Édouard Fritz, et lui demandons... Quelles sont les raisons pour lesquelles les deux responsables euh, des deux partis les plus importants de l'opposition, pour, que, pour quelles raisons sommes-nous exclus de cette réunion euh, à Paris, de cette table ronde doit Affrich a confirmé qu'il avait lancé les invitations pour le Tahir et le Tavini Faux. et que ce sont Faux. les groupes qui ont refusé d'y participer. Malgré tout le respect que j'ai pour lui, il a menti. Je n'ai jamais reçu d'invitation. Alors, euh, Peut-être qu'il a invité euh, Théouraïriti, mais Théouraïriti ne représente pas le Tahoër Ahouir Attira. Le président seul peut représenter euh, le Tahoër Ahouir Attira et nous n'avons pas été invités. Pourtant, Gaston-France, d'aucuns pourraient y voir dans cette démarche une intention de récupération politique, comme pour le statut d'État associé, l'équivalent de souveraineté que vous prônez aujourd'hui. Comment, euh, comment présenter votre bonne foi justement pour euh, Alors, le combat du nucléaire aujourd'hui Pour le statut de souveraineté, il nous fallait attendre et nous former et prouver euh, aux yeux de la France que nous sommes capables d'être euh, un État souverain. 36 ans d'autonomie, là également, on, il n'y a plus rien à prouver. Euh, le nucléaire. Mais, euh, <laughs> Pourquoi est-ce que la France nous refuserait euh, cette, euh, cette souveraineté Nous sommes euh, arrivés au point ou bien euh, ça suffit. C'est comme le disait Jacques Chirac, ne serait-ce que par une connaissance envers nous. Jacques Chirac disait, la France a une dette envers la Polynésie. Alors il y a euh, l'indemnisation des malades, euh, il y a également euh, la reconnaissance de notre revendication pour la souveraineté. La souveraineté, c'est l'aboutissement de ces 36 années d'autonomie. Et nous, Mais vous nous avez été complice, Gaston faut... Fros, pendant durant toutes ces années euh, sur euh, les, expérim les expérimentations nucléaires en Polynésie. Vous étiez complice de l'État à l'époque Oui, euh, moi j'ai cru euh, les engagements pris par les deux présidents de la République avec qui je me suis entretenu sur ces questions, à savoir François Mitterrand, qui m'avait dit qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il n'y avait aucun danger pour la santé des populations. Et également Jacques Chirac, lorsqu'il a voulu reprendre ses expérimentations, je suis allé à sa rencontre à Paris et lui également m'a confirmé qu'il n'y avait aucun danger. Nous avons été trompés. Peut-être même que ces présidents ont été trompés par les experts du CEA ou par les, les ingénieurs. Mais en tous les cas, moi, je n'ai pas menti à la population, comme le dit le président Fritsch. Moi, je n'ai fait que répéter ce qui m'a été dit aujourd'hui. Force est de constater que eh bien, euh, il y a des malades, des atteints du cancer, et ce que je dis n'est pas digne de la France, c'est qu'ils n'acceptent pas l'indemnisation. Comme ça devrait être, ça devrait couler dessous, ça devrait être des choses faciles. Et possible. pourquoi refuser de temps. cela Il nous restons très peu de temps. Comment comptez-vous vous faire accepter votre présence à cette cérémonie, vendredi, au milieu des antinucléaires, auxquels vous vous êtes fortement opposé durant plusieurs années, oui. et aussi devant le monument aux victimes du nucléaire que vous avez eu l'intention une année de faire retirer. Oui, Comment oui. est-ce que vous allez ben, faire accepter que, votre présence C'est parce qu'au bout de 25 ans, nous disons à la France vous devez indemniser ces malades. C'est on peut presque dire ces martyrs de la bombe atomique qui sont morts pour la bombe euh, atomique. Quelle est la reconnaissance de la France envers... Ils ne sont pas exigeants, ils demandent simplement à être indemnisés. Oui. Et je soutiens cette démarche de l'église protestante Maoui et j'interpelle le président de la République française pour lui dire « Ça, c'est duré 25 ans, ça suffit, indemnisez ces malades. » Et reconnaissez les conséquences génétiques euh, de cela. Merci et merci de cette, la deuxième démarche, c'est pour interpeller le président Édouard euh, Fritsch pourquoi nous avez-vous exclu de cette table ronde Qu est -ce Quel ta est place? le motif Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir et oh. nos meilleurs voeux pour vos 90 ans. Ah, merci. Maruru. Merci infiniment.